Donc nous sommes avec deux tennismen pour la finale de Roland-Garros. Bonjour à vous deux. Bonjour, Jean-René. Donc vous allez jouer dans quelques minutes avec des masques pour le retour de Roland-Garros après le coronavirus. Comment ça va se passer exactement? Vous pouvez nous expliquer s'il vous plaît? Ben franchement, déjà on est content parce que ça faisait 2 mois qu'on touchait plus trop la balle. Moi personnellement j'ai essayé de m'entraîner dans mon appartement. C'est compliqué parce que 22 mètres carrés, forcément la balle elle revient assez vite. Est-ce que ça vous avait manqué de jouer au tennis? Moi j'avais un mur donc je pouvais m'amuser à jouer avec mon mur. Ouais, taper dans son mur. Bah, apparemment il a cassé des tableaux, des posters, je sais pas. Ouais, des fenêtres. Ouais, des fenêtres aussi, c'est compliqué. 50 fenêtres. Moi, ma femme elle veut pas que je joue à la maison. Alors c'est pour ça que je jouais dans le garage. Et comme je vous dis, c'est petit la surface. J'ai cassé la voiture, j'ai pété 3 vitres. Ouais. Justement, la Cicarglas, il m'entend. Voilà, un petit geste pour les sportifs. Est-ce que vous pensez que ça va être simple de jouer avec des masques? Est-ce que vous allez pouvoir respirer? Déjà, là, il fait assez chaud, donc ça va être un peu compliqué, quoi. On rappelle que nous sommes dans les loges de Roland-Garros. Voilà, c'est vrai qu'il fait à peu près 40 degrés, on nous a dit, sur le terrain. Ouais. Je pense que ça peut se faire. Hein. Ça peut se faire. Ouais, franchement, nous, on est des sportifs, on a l'habitude des conditions physiques dures. Donc, effectivement, respirer avec le masque, ça peut être compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. Voilà. Nous, on a le mental. Ouais. Ça fait quoi? Vous avez éliminé, je crois, en demi-finale des grands champions chacun. Ça fait quoi d'être à la finale de Roland-Garros? Franchement, moi, ça fait plaisir. Je sais que mon ami, là, il a battu Yannick Noah, Pete Sampras. Vous avez battu Gaël Monfils, entre autres. J'ai battu mon fils et ma fille aussi. Bon, un fils, c'était plus facile parce que 4 ans. Donc là, ça y est, il va être l'heure d'aller sur le terrain. Tout à fait, on est chaud. Je vous souhaite bonne chance et je vous retrouve juste après. Là, ça va être un gros match. Hein. Ça va durer au moins 2 heures, les amis. Hein. Et je vous retrouve juste après, évidemment, pour avoir le vainqueur ici même pour la conclusion. Merci. Moi, je suis chaud comme la braise. À tout à l'heure. Gros match. Et voilà, nous voilà après le match. Vous les voyez, ils sont tous les deux transpirants. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ah oui, alors là ça dégouline, il a fait très chaud sur le terrain. De 2 minutes. Vous avez tenu... On n'a même pas tenu 2 minutes. C'est donc, abusé. Non mais comment on fait, monsieur Jean-René, pour jouer avec des masques là? Là faut vous expliquer comment on fait là, parce que là c'est impossible. C'est impossible. On rappelle évidemment qu'il fait plus de 40 degrés. Vous allez être obligé d'avoir des masques, il fait très chaud. Ah là je me fous là, vas-y, chope le virus, moi je tousse. Ah je peux plus, c'est foutu. C'est foutu là. Tiens, on va vous arroser, vous allez voir, la transpiration. C'est foutu. 3 litres. La compagnie de Roland-Garros a décidé que cette année vous allez tous les deux vainqueurs du Roland-Garros. Attends, j'étais trop chaud, attends. Vous allez tous les deux être... Marseille, on s'en fout là, j'ai trop chaud. Même si je suis pour l'OM, mais c'est pas grave, j'ai trop chaud. Vous allez tous les deux gagnants à Roland-Garros cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est chaud. Il peut plus parler. J'ai plus d'air. Appelez un docteur. J'ai plus d'air. Je crois que j'ai le virus. Appelez le docteur, appelez le SAMU. Appelez Macron. Donc rendez-vous pour... Appelez Brigitte, faites quelque chose. Rendez-vous pour Roland-Garros 2021? Non, c'est fini le tennis, moi. 2022. C'est fini. Voilà, je me mets à la couture, moi. C'est fini. Plus jamais. Coupé.